En latin, on dit traductore, traitore. Toute traduction est un traître, puisque c'est extrêmement difficile de traduire d'une langue à une autre langue et surtout de transmettre le message profond. Si ceci est vrai dans toutes les langues, c'est certainement vrai quand il faut traduire de l'hébreu de la Shona Kodesh dans d'autres langues et surtout quand il faut traduire des concepts qui sont intrinsèquement, qui sont fondamentalement des concepts typiquement juifs. Je m'explique. Comme le rabbi nous dit sur la traduction de trois mots qui sont très connus, surtout de notre temps maintenant, durant le mois de Elul, le mois de Elul qu'on avait dit Ani le Dodi ve Dodili, l'idée de faire la Teshuvah, ajouter l'étude de la Torah, ajouter dans des gestes de Tzedaka, et voyons un peu les traductions, comment ils sont traduits en français et bien sûr d'autres langues, et voir si la traduction correspond au sens propre du mot en hébreu. Et voilà ce que le rabbi dit. La traduction d'une langue à l'autre suppose que chacun des mots de l'une des langues sera rendu exactement dans la seconde. Mais ce n'est pas toujours vrai, comme on vient de dire. Au contraire, souvent, ce n'est pas vrai. Et alors, on risque de tomber dans l'erreur de traduire une idée juive par celle qui nous est familière dans une autre culture, alors qu'en réalité, elles sont dissemblables, même opposées. Comme j'ai dit tout à l'heure, voyons Teshuvah, Tfila et Tzedaka. En français, on traduit Teshuvah, repentance. Tfila, prière. Tzedaka, charité. Et le Rebbe nous attire l'attention qu'en réalité, les trois traductions sont opposées à ce que le sens profond de chacune est. Durant Rosh Hashanah, nous disons dans la prière, ou Teshuvah, ou Tefila, ou Tzedaka, ma'avirin et roa ha'gezera. Il y a un pouvoir dans le fait de faire la Teshuvah et d'ajouter dans la prière et d'ajouter la tzedaka, elles peuvent retourner, renverser. Chas v'shalom, s'il y a un décret, si ça nous a été décrété, chas v'shalom, pas une bonne année, en ajoutant, en s'efforçant dans ces trois aspects, ça peut retourner et nous donner, mériter une bonne année. Puisque chez Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite dans sa bonté. Même si un décret a été déjà donné d'avoir une année de souffrance, dans la bonté, dans la miséricorde divine, nous sommes capables d'attirer une nouvelle influence miséricorde à Kadosh Baruch Hu pour transformer même ce décret. Et c'est ce que nous faisons à Rosh Hashanah. On prie, on demande. Ainsi, Yom Kippour, encore plus d'ouverture, plus de lumière, plus d'influence divine dans ce monde qu'on peut encore atteindre encore plus haut. Et plus profond qu'on atteint Rosh Hashanah. Et ceci, comme je viens de dire, ceci est dû à la Teshuvah. Comme on vient de dire, la Teshuvah, on traduit repentir. Mais en réalité, pour traduire repentir, en hébreu, sera harata, regretter, et pas le mot Teshuvah. Non seulement ils ne sont pas synonymes, mais ils sont complètement différents. Ils sont opposés. Pourquoi ? Harata implique le remords, le sentiment de culpabilité pour le passé et l'intention de se comporter d'une manière tout à fait nouvelle dans l'avenir. Donc, d'une certaine manière, l'homme décide de devenir un être nouveau, une nouvelle page, une nouvelle personne. La teshuvah veut dire autre chose. C'est le retour. En hébreu, tashuv, c'est retourner. Ça veut dire retourner à sa nature originelle. C'est ce que ça représente, que le juif, qui de fondamentalement, il est bon. L'âme, elle est bonne. Et chaque juif veut être bon. Comme le Rambam nous dit dire même par rapport à un guet, que chaque juif veut faire ce qu'il est censé de faire. Chaque juif veut faire la mitzvah. Mais malheureusement, nous avons un effet shabbat. On a une âme divine, on a des yetzara qui nous tire vers
agir d'une manière qui n'est pas nous, qui n'est pas moi. Donc teshuva veut dire quoi? Retourner vers soi-même. Tashuv he. Ça s'écrit tav shin vav bet he. Tashuv, retourner he vers Dieu, vers nous-mêmes. Nous sommes une part intègre de Dieu, vers notre âme. Donc teshuva ne veut pas dire devenir une nouvelle personne, mais retourner et redevenir ce que nous sommes vraiment. Et qu'est-ce que nous sommes vraiment? Nous sommes tous des êtres qui veulent être attachés, liés et à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le sens de Teshuvah. Et c'est pour ça qu'on peut transformer même des décrets, puisque quand on revient chez Kadosh Baruch Hu, on dit, nous avons une relation intime. Cette relation intime nous ramène chez nous, spirituellement, et Bezrat Hashem nous ramène aujourd'hui même, physiquement, chez nous, dans le Beth Amikdash, avec Mashiach dans la Goula.